بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ فاغ، مرحبا بكم. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Heureux de vous rencontrer à travers votre émission Avis religieux. Dr Johari, مرحبا بك. Toujours là, content de répondre à vos questions et à vos préoccupations. Et nous consacrons cette émission pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Elles sont nombreuses, ces questions-là, Dr Johari. Donc, à chaque fois, on doit consacrer une émission pour y répondre. Repérer un numéro sur 4. Voilà, par exemple. Oui. Et nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs de ne pas ouvrir la ligne téléphonique. La ligne téléphonique aujourd'hui. Exceptionnellement. Docteur Johari, nous commençons. La première question, est-ce obligatoire de marier un couple absolument par un imam? Non, du point de vue religieux, ce n'est pas nécessaire pour ça. Mais il y a un acte de mariage qui a des piliers, qui a des conditions. Il faut que celui qui célèbre en quelque sorte cette cérémonie-là soit connaisseur en matière. La question pour diriger. Une autre précision, ouais, c'est-à-dire pour bien expliquer la chose. Est-ce qu'autorisé pour n'importe quel musulman, du moment qu'il soit instruit et pieux, c'est ça, c'est qu'il ça. Peut faire la bon, pieux, oui. Pieux, on ne peut pas en juger, sauf... sur les choses, voilà, d'apparence. D'apparence, voilà. Mais par rapport à la connaissance religieuse, il doit avoir quand même un certain bagage, un minimum de bagage scientifique, on va dire, concernant l'acte de mariage en islam. Mmh. Pour guider en quelque sorte cette cérémonie-là aux yeux de ceux qui assistent, pour savoir est-ce que tous les piliers de l'acte du mariage sont c'est-à-dire fournis et existants. Mais sinon, il n'y a pas vraiment une nécessité que l'imam ou celui qui célèbre cet acte-là et qui guide cet acte-là soit un imam. Et puis, vous savez, chez nous, il n'y a pas de mariage religieux. Le mariage est un acte qui lie deux êtres humains de sexe opposé qui seront en quelque sorte aptes à bâtir un foyer ensemble. Ça relève de la vie quotidienne, de la mu'amalat. Ce n'est pas une ibada, ce n'est pas quelque chose de rituel, ce n'est pas un rite. Et d'ailleurs, chez nous, le mariage n'est pas religieux. C'est un acte qui lie deux êtres humains, ça relève de la vie quotidienne, de la mu'amalat, etc. Et il n'a pas cet aspect-là religieux. C'est-à-dire uniquement religieux. Voilà, uniquement religieux. Hein. L'aspect existe. L'aspect, bien sûr, existe. Il y a toujours la guidance. Il y a toujours la guidance, le hadi, dans ce domaine-là. Il faut que ça soit copie conforme à la charia, bien sûr, avec les conditions et les piliers de cet acte-là. Mais sinon, ça n'a pas, en quelque sorte, une corpulence comme ça, religieuse. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on peut se marier à la mairie. Voilà, c'est ça. Du moment que tous les piliers soient existants. Bon, je me permets de revenir vers vous concernant ma situation. C'est un peu long, mais je vais... Un homme aimerait se marier depuis un an et demi avec moi, mais ma mère ne veut pas accepter cette demande de mariage, en mariage, sous prétexte qu'il est d'origine comorienne. Il est l'île de Comore, hein? Oui. Comorienne, et que je suis algérienne. Mmh. De mon côté, j'aimerais me marier avec lui car il correspond à mes doigts, à ses critères, c'est-à-dire. Voilà. À ses souhaits. Il est hafiz al-Qur'an. Ah oui, il travaille bien en tant que traducteur anglais-allemand
Elle Il est a un revenu, on va dire. voilà, Voilà. elle est musulmane et elle a un bon caractère. Alhamdulillah. La question, c'est que dois-je faire, sachant que mon père est décédé Allah et que yarhamou. mon grand frère ne veut pas aller à l'encontre de ma mère. Qu'est-ce que je peux me marier sans la validation de ma mère, sachant que mon petit frère, qui a 35 ans, entre parenthèses, Il est adulte. 35 ans quand même, Ouais. peut être mon mahram Ouais. dans l'acte. Et quel argument je peux dire pour faire en sorte que ma mère change d'avis? Ah bon. D'abord, Faut c'est un peu toujours compliqué, mais... dialoguer. Faut toujours dialoguer, présenter ses arguments, ses souhaits, que cet homme-là peut-être correspond vraiment à sa manière avec laquelle elle veut vivre. Et puis c'est une grande décision dans la vie, la décision de se marier avec une personne. Bien que l'islam a considéré, a donné de la considération au tuteur de la femme, il n'a pas négligé de l'autre côté aussi l'avis de celle qui va se marier. Parfois, le tuteur de la femme fait usage de son pouvoir dans le mauvais sens, peut-être pour Un abus un abus de pouvoir, on va de dire. pouvoir. Voilà. Tassuf, Fistamel istimal Sulta, ou le haq même. al-sulta. Tassuf, Je ne dirais pas que votre mère est votre tuteur, parce que, vu la charia islamique, le tuteur doit être de sexe masculin. On commence d'abord par le père, puis le grand frère, puis les frères. Du moment C'est-à-dire. que le grand frère ne veut pas aller à l'encontre de la vie Voilà. de sa mère, Là, peut-être il il va. existe un frère, déjà son Voilà, petit frère, qui est mais il a adulte, 35 ans. il a 35 ans, mais quand même, il est adulte, il peut la guider dans ce domaine-là et être son tuteur pour son mariage. Reste à dire que la vie de sa mère n'est pas aussi négligeable que ça aussi, mais quand même, ils peuvent la persuader, ils Il faut peuvent, faire en sorte, il faut ils peuvent lui un peu parler, de... essayer de la convaincre, Inch'Allah, avec des bonnes paroles. Et avoir recours à celui qui peut la convaincre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Un imam, par exemple. demander aide auprès d'un imam, Ah, auprès voilà. de la grande famille élargie, Voilà, par exemple. les oncles, Les sages de la les famille. cousins, les sages de la famille, etc. Mais ce mariage-là, Inch'Allah, sera béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup plus si la mère, bien sûr, donnera Mais son dans tous les approbation, etc. cas, Parce que il est la légal, vie hein, dans tous les de cas. nos parents nous aide dans notre cheminement dans ce bas monde et notre cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand il s'agira d'un litige comme ça, Allah Azzawajalla nous a donné d'autres issues, c'est-à-dire Autre alternative. voilà, une autre alternative, de prendre votre frère qui est apte pour être votre tuteur lors de votre mariage, et ça sera un mariage légal, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Mon père, la troisième question, docteur Djouhri, Oui. mon père est décédé il y a 7 ans. Nous avons eu la frida répartie sur 2 fils et 3 filles. Et la quatrième fille décédée avant mon père n'a pas été mise dans la frida. Voilà. Et ensuite, S'il vous plaît, je vous avant de interromps continuer. avant de continuer. Il y a ce qu'on appelle l'héritage par substitution. Un testament comme s'il a été annoncé par Là, au cas où elle le laisse une défunt. fille ou un fils. Là, au Voilà. cas. Mais ça Donc, il faut, s'applique par rapport à il la faut loi continuer. algérienne, hein, on va dire. Hein. Ça s'applique lorsqu'il s'agira d'un fils qui s'est éteint et qui meurt avant son père. Même une fille. Non, non, dans le Là, cas une d'un fille. fils. Là, une fille. Alors, La quatrième par fille. rapport à la fille, là, ils appliquent bien sûr la loi Là. Très et bien. c'est légal.
dans ce cas-là, les petits-enfants n'auront pas la part de leur mère par rapport à l'héritage, par rapport à leur grand-père. Le problème, c'est que la question, oui. C'est, Dr Djouhri, pour les consuites, mon frère et ma soeur sont décédés l'un après l'autre. Oui. Cette année. Comment répartir l'héritage en sachant que mon frère décédé a laissé une épouse, un fils et deux filles. Voilà. Ma soeur défunte a laissé une fille. Ma soeur défunte n'a pas été mise dans la Frida avant, mais elle a deux fils. Non. Par rapport déjà à son frère, du moment qu'il est marié, du moment qu'il est marié, son frère, d'abord il faut partager premièrement cet héritage-là. C'est-à-dire prendre à chacun sa part et la désigner comme ça, la part de tel, la part de tel, s'il s'agira d'un garçon, c'est-à-dire d'un fils, ou s'il s'agira d'une fille. Et bien sûr la part de votre mère, qui est un huitième de cet héritage-là. Et après que la part de chacun est bien désigné, là on procède à un autre héritage, une autre répartition, on va dire. Mm-hmm. Par rapport à votre frère, quand il aura sa part, hein, c'est-à-dire essayer d'imaginer qu'il est encore vivant, voilà, en imaginant qu'il est vivant, quelle sera sa part. Et après, on va la répartir, cette part-là. Du moment qu'il est mort. Il a une femme, il a un fils, il a une fille. Du moment qu'il a un fils masculin, là, vous n'avez aucune part à recevoir de son héritage. Vous, ses frères. Hein. Il y a sa mère qui va prendre une part, il y a sa femme qui va prendre une part, et puis le reste va être réparti sur ses enfants et son fils. C'est-à-dire le fils là, même qu'il a un fils unique, voilà, va en quelque sorte yihjab, comme on dit. C'est-à-dire il va voiler en quelque sorte tous les autres héritiers du moment qu'il est masculin. Alors il y a sa mère qui va prendre une part, il y a sa femme, et puis le reste sera réparti à ses enfants. Pour l'autre sœur, là, du moment qu'elle a laissé une fille, il y a sa mère qui va prendre, bien sûr, une part. Un sixième. Un sixième. Il y a sa fille qui va prendre une part. Ça sera... deux tiers. Un demi. La moitié. Ça sera la moitié. La moitié. Et le reste sera réparti, bien sûr. Si elle a un mari, il aura aussi... un quart, voilà. Si elle meurt, elle laisse derrière elle un mari. Ce mari-là aura, bien sûr, le droit au quart de cet héritage-là. Et puis le reste sera réparti sur les frères, ses frères et sœurs. C'est-à-dire à cette défunte-là. Et la fille qui est décédée avant le décès du père n'a rien. Elle n'a rien. Même si ses descendants n'ont rien. Voilà. Ils n'auront rien selon la loi, parce que la loi s'applique. Au sexe masculin mais seulement. Je me permets, Dr Djouhri, une quatrième question. Je me permets de vous adresser ce mail concernant une problématique que nous rencontrons actuellement. Ma grande sœur a fait une kafala en Algérie pour une petite fille qui est née sous X. Oui. Et qui, après la naissance, a vécu ses trois premiers mois à l'orphelinat. Oui. Cela fait aujourd'hui 4 ans qu'elle vit avec nous. La question est la suivante. Est-ce que cet enfant est toujours considéré comme une orpheline, ce qui veut dire que la zakat lui est légitime, ou elle n'est plus orpheline du fait qu'elle a une famille et une maman? Vous savez, dans les bénéficiaires de la zakat, il n'y a pas l'orphelin.
Parmi les bénéficiaires, il y a celui c'est qui par est, rapport à la nécessité. Voilà, par rapport à la nécessité. Celui qui est pauvre, celui qui n'a pas de source financière, etc., les nécessiteux, qu'ils soient orphelins ou qu'ils ne le soient pas. Parce qu'il y a peut-être des orphelins qui sont riches. Oui. Ouais, il a un héritage, il a de l'argent, son père ou sa mère lui a laissé. Il est adopté, ou sous kafala. Sous kafala, etc. Du moment, il faut voir est-ce qu'il est nécessiteux ou pas. Apparemment, non, puisqu'il il vit avec. Il a une famille, elle a bien apparemment, exprimé. Il est pris en charge, alhamdoulilah. Elle n'aura pas besoin de cette zakat-là du moment qu'elle n'est pas considérée nécessiteuse. Elle n'est pas valable, cette zakat. Voilà. Très bien. Et cette remarque que vous avez faite, Maître Migari, est très importante. Hein. Lorsqu'on donne sa zakat à quelqu'un qui n'est pas parmi les 8 bénéficiaires, ça veut dire que cette zakat-là est annulée. Elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on fait la prière sans wudu, sans ablution. On n'a pas fait conformément à la loi. Voilà, il faut donner sa zakat. Il faut s'acquitter de sa zakat conformément à la charia islamique. Et quand on la donne à quelqu'un qui n'a pas de droit, ne figure pas dans les 8 bénéficiaires, cité par le Coran. Eh, cité par le Coran. Inna masadakat li fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan min Allah. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla la répartit ainsi. Le farida, c'est la même chose. C'est comme l'héritage. Ilm al-fara'id. Alors, il faut bien savoir qu'on doit donner sa zakat à celui qui en a droit à la recevoir. Sinon, cette zakat-là est annulée. C'est-à-dire, il faut la refaire. Voilà. Très bien. Docteur Johri, la cinquième question. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. J'avais déjà entendu votre avis par rapport à l'interdiction du don d'ovocytes. Ouais. J'ai 43 ans, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Oui. Et les médecins m'ont conseillé ça comme seul recours. Oui. Ma question est, pouvez-vous me donner des versets ou édillah qui parlent de cette interdiction? Merci pour votre compréhension. Vous savez, il y a des questions. Elle n'est pas convaincue. Non, il y a parfois des questions qui sont. Mal posé, on va dire. Des questions qui. Il faut la comprendre. Il faut la comprendre. Oui, je me mets à sa place, Inch'Allah. Et toute maladie, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné en quelque sorte un remède, si on peut qualifier ce cas-là de cas de maladie. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit aussi. Même dans notre quête de la solution. D'abord, si vous permettez bien, docteur Johri, il faut expliquer c'est quoi donner l'ovocyte pour nos chers téléspectateurs nous suivent, pour comprendre la problématique. On va expliquer un petit peu. Le prophète, alayhi salam, dans un propos, nous a dit « Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala ma'ahu ad-dawa ». Mais il a continué à dire « Fatadawaw ibadallah wa la tadawaw biharam ». C'est-à-dire, essayez de chercher un remède pour votre situation. Dans le licite. Dans ce qui est licite. Et n'essayez pas de prendre le chemin de l'illicite. L'ovocyte, c'est un œuf en quelque sorte au sein d'une autre femme. Sécrété par l'ovule, c'est ça? Et sécrété par l'ovule. L'ovule, et voilà, l'ovule. L'ovaire. L'ovaire. C'est une ovule sécrétée par l'ovaire. Et on va prendre cette ovule-là et l'implanter dans l'utérus d'une autre femme pour qu'il soit, fécondé par la semence peut-être de son mari. Voilà. Mais il faut qu'on sache qu'il y a là une tierce personne qui rentre en vigueur. Ah. Il y a une tierce personne.
Donc il y a une Et relation bichtilat al-ansab barakallahu fik, c'est le mélange de la filiation. dans la Et filiation. vous savez, ce n'est pas à chaque fois qu'on doit trouver explicitement comme ça un Un texte. verset ou là un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est interdit ou qui guide dans ce Passe une domaine-là. technique nouvellement. Voilà. Mais il y a les grandes lignes de l'islam, Les grandes règles. les grandes lignes de la guidance, L'esprit. ce qu'appellent nos jurisconsultes maqasid. Les Les finalités de la charia. finalités de la charia islamique. Vous savez, parmi les grandes finalités de la charia islamique, quand elle s'applique dans une société, c'est de préserver au moins cinq grandes choses qui sont Finalité. des grandes finalités que les êtres humains auront besoin pour vivre une vie Normal, saine. saine. Voilà. C'est la préservation De de la la religion. religion, la préservation de la raison, nefs, voilà, La vie. de la vie humaine, la préservation de la filiation, l'irq, etc. La Nesl, filiation. hifz al-irq, la Ansab. filiation, Mahab l'ansab, voilà. al-ansab, hifz Et al-irq. puis la préservation de la raison humaine, et puis la préservation de la richesse, on va dire. Ce sont les grandes lignes, les grandes finalités de l'application de la charia islamique. Et elles sont vraiment nécessaires pour une vie saine. Et parmi les cinq grandes finalités de notre La religion, préservation voilà, c'est la préservation de la filiation. An-nasab. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de versets qui versent, versets à propos du prophète, qui versent dans ce but-là. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala alors nous a légifié le mariage, pourquoi il l'a organisé, il a interdit de se marier avec les Pour proches. bien faciliter la Voilà. chose, si on a par exemple le maqsad, la finalité de préserver la raison, l'aql, l'alcool, l'alkhamr est illicite, mais on a la drogue maintenant, les comprimés. Ça rentre dans la même raison, c'est-à-dire la C'est ça. philosophie de Oui, c'est ça. Sharia, elle porte atteinte à la raison. Donc, la Voilà. même chose, C'est la même chose. une technique Il y a nouvelle une technique nouvelle qui ne pouvait pas n'était pas exister en connue. ce... Non, non, il ne pouvait pas déjà exister parce qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires de faire ainsi, Voilà. de prendre de la semence d'une femme et la transplanter dans l'utérus d'une autre femme, etc. Ça ne pouvait pas exister par rapport aux moyens de cette époque-là. Mais il existait autre chose qui pouvait mettre cette affiliation-là, on va dire, en danger, c'était la fornication directe. On va dire Ou la le fornication zina. mariage pendant la période de virginité. Barakallahu fik, j'allais venir. Par exemple. Pourquoi alors Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à une femme de se remarier pendant la période de la virginité, après que ce soit la mort de son mari, que ce soit une séparation, Un divorce. C'est-à-dire par divorce ou la khul', etc. Il y a toujours une période de Pour virginité préserver pour préserver justement. justement la filiation. Et c'est ça qu'on va prendre en considération quand on donne un avis par rapport à ces techniques nouvelles. Lorsqu'il y a une tierce personne qui rentre entre les deux époux, que ce soit la semence d'un autre homme ou la semence d'une autre femme, hors cette relation-là qui lie les deux époux, ça veut dire qu'il y a un mélange d'affiliation. Très bien, c'est clair. Ikhtilat C'est clair, al-ansab. Et j'espère puis, qu'elle... Inch'Allah, vous avez l'ajr, la récompense par votre endurance par Wallah rapport à ce Karim. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi comme destin dans ce monde d'ici-bas. Et pour avoir peut-être de la compagnie qui ressemble un petit peu à la parenté par rapport aux enfants, etc., il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, qui peuvent en quelque sorte assouvir
ce désir-là d'avoir, inshallah, un enfant, vous n'avez qu'à prendre un enfant par kefala, inshallah, et vous aurez la double des récompenses. La récompense de votre endurance par rapport au destin, et puis la récompense d'avoir pris un enfant en kefala. On peut toujours espérer quand même. Allah Karim. Allah Karim. Ou le Karim, ou idha a'ta adhash. Ah, subhanallah. Subhanallah. Je suis à la sixième question, docteur. Je suis algérien vivant en France. Oui. J'ai deux questions. Bon, la première question. Mon père décédé il y a 20 ans, il m'a fait donation d'un appartement afin que je puisse me marier. Sachant que mon père a acheté un autre appartement. Je suis venu en France pour travailler avec ma famille, mais les héritiers ont vendu mon appartement alors qu'ils ne sont pas nécessiteux. Je voudrais savoir s'ils ont droit à faire ça. Bon, déjà la donation, est-ce que les autres héritiers étaient au courant? Est-ce que vous avez des témoins? Et puis, après 20 ans, hein? Est-ce que votre père l'a inscrit peut-être chez un notaire ou pas? Apparemment non. Apparemment sinon, non. Ils n'auront pas pu. Mais du moment peut-être qu'il a fait cette donation-là, ils étaient au courant qu'il y avait cette donation là, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont pas le droit de faire voilà, ça. Ils n'ont plus le droit malgré peut-être que le bien, hein, le bien, non, le bien est au nom du père, hein, peut-être. Peut-être. Ça veut dire aux yeux de la loi, des papiers, ils ont droit à hériter. Mais aux yeux de la charia et Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, normalement ils ne peuvent pas hériter de cet appartement là du moment qu'il est sorti de la possession de leur père et il est devenu dans la possession de leur frère par voie de donation. Alors ils vous doivent des dommages. Du moment qu'ils l'ont vendu, là ils doivent vous rembourser. La manière avec laquelle procéder, je ne sais pas. Un imam, les grandes personnes, les nobles de la famille, etc. Essayez de faire une petite assise comme ça pour récupérer votre droit. Voilà, c'est ce qui vous revient de droit. Voilà. Sa deuxième question, docteur Jouri, ma deuxième question est que je fais l'ablution pour mes prières, sachant que je suis diabétique avec une pompe à insuline. Merci de me renseigner. Je vois pas la relation. Moi, je ne vois pas de relation entre les ablutions et la pompe à insuline. Si je m'abuse bien, je m'abuse, docteur Jouri, c'est-à-dire par rapport au pied diabétique et l'eau entre les doigts, il faut bien. Je ne sais pas. Mais ça ne figure pas dans ce qui annule en quelque sorte les ablutions. Il faut lire par rapport au pied. Bon, par rapport au pied, vous pouvez mettre peut-être quelque chose comme ça, comme une chaussette, je ne sais pas quoi, djbira, qui met le mesh à la djbira. Ou procéder directement par voie d'ablution sèche. La question n'est pas claire. Bon, si vous ne pouvez pas faire vos ablutions parce qu'il y a un empêchement, il y a peut-être une peur que ça s'aggrave, votre cas s'aggrave, il y a un empêchement quelconque, soit vous procédez par le mesh al-jabira, vous pouvez utiliser des chaussettes peut-être et essuyer sur cette chaussette-là. Mais la chaussette, il faut qu'elle soit un petit peu épaisse, on va dire. Non, le jabira, mouche le khouf. C'est-à-dire, on ne la qualifie pas par le khouf. C'est une bande, on va dire. C'est comme si une bande. Le mesh qui met le kasr. Le mesh al-jabira ou l'al-jurh, on fait un pansement dessus. Et on renouvelle ses ablutions en arrivant au lieu lequel on doit laver. Le problème, c'est le pied. Voilà. La question n'est pas claire. On essuie sur le pansement. Le problème, c'était par rapport au pied. D'accord. Très bien. Voilà. Sinon, on procède par les ablutions sèches. Maalich. Taïmou. Sinon, la ma femme Nash, il va nous reposer avec plus de précision où est le problème par rapport à cette ablution. Inch'Allah. Oui, on va à la huitième question, docteur Jouri. Un livret d'épargne qui a généré un taux d'intérêt
La huitième, non? Oui, c'est, Oui. c'est un peu long. Excusez-moi, oui. J'ai un livret d'épargne qui a généré un taux d'intérêt que je voudrais utiliser pour rénover les escaliers de l'immeuble où j'habite. En effet, ces derniers représente un réel danger pour les habitants. Et comme il s'agit d'une utilité Oui. publique, Mslahama, Est-il est-il permis d'en faire cet usage? Merci. Oui, vous pouvez utiliser cet argent-là dans cette utilité publique. Voilà. Bien que Du moment que. Cheikh Hamani, Bien, voilà qu'il faut le donner aux nécessiteux. voilà. Mais le servir aussi, c'est-à-dire l'utiliser dans l'utilité publique aussi, c'est un avis considérable aussi de d'autres savants de l'islam qui disent que l'argent qui ne vous appartient pas reviendra bien sûr à toute la communauté, aux gens qui vous entourent. Ça veut dire que vous vous en débarrassez de cet argent-là et vous essayez en quelque sorte de l'utiliser dans une utilité publique. C'est permis, inshallah. Apparemment, nous allons vers une toute petite transition. Nous revenons après, inshallah. Inshallah. More.
رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دكتور جهري نغفنه إن شاء الله كسنون شكتر السلطنتر. يقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Permettez-nous de faire appel à votre compétence de matière en législation musulmane concernant le mariage civil que mon fils a contracté avec une Française de souche à la mairie de France, et ce, depuis 3 ans, sans nous avoir informés et que nous n'avons pas approuvé par la suite. Est-ce que ce mariage est valable vis-à-vis du droit musulman? Rabbi wafqna lil khair, inshallah. C'est compliqué, cher. Non, c'est pas compliqué. Il y a une seule condition. Et du moment... Est-ce qu'il a bien observé le... Est-ce qu'il a bien observé les conditions de ce mariage-là, on va les dire. Les piliers du mariage. Non, les conditions d'abord. D'abord. Il faut qu'elle soit une pratiquante d'une... religion, on va dire, à base monothéiste. Céleste, Samawiya, Diyanat Samawiya. C'est-à-dire la chrétienne, voilà, la religion chrétienne ou la religion juive. C'est-à-dire, est-ce que cette femme-là se considère chrétienne ou elle se considère juive? Et puis, la pratique, elle est... relative entre un pratiquant voilà, et un autre. À sa religion. Parce que, vu les enseignements de l'islam, c'est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'homme musulman de se marier avec une femme des gens du livre. Mais pas, c'est-à-dire, n'importe quelle femme. Si elle était la femme, une chrétienne, elle aurait précisé voilà. La question. S'il s'agit peut-être d'une femme qui n'a ni foi à l'islam, ni foi à la chrétienté ou au christianisme, ni foi au judaïsme, là, ça sera un mariage illégal voilà, aux yeux de la loi ou du droit musulman. Et oui. Puis, viennent après les pilier de ce mariage-là, c'est-à-dire mariage. le consentement des deux époux, et ça existe. C'est clair. Le consentement des parents de cette épouse-là, son parent, on va dire, son tuteur, son père. Voilà. Et puis, il y a les deux témoins, peut-être qu'ils peuvent exister, du moment qu'il est inscrit dans l'état civil à la mairie. La dot. Et puis la dot. Mais la dot, on peut la donner après. Hein. C'est-à-dire, ça n'annule pas l'acte de mariage immédiatement. On peut y procéder par cette donation-là de dot après. Mais ce qui est essentiel, c'est la condition qui doit être existante chez cette femme-là. Est-ce qu'elle appartient vraiment aux gens du livre? Parce que dans le monde entier maintenant, partout, un peu partout, il y a des croyants, il y a des non-croyants. Il y a même des athées, c'est-à-dire ceux qui nient même l'existence du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Même s'ils ne sont pas athées, ils n'accordent aucune importance à la religion. À la religion, voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. C'est-à-dire déjà, elle doit être une femme digne, qui a une certaine dignité, une chasteté. Al-muhsana. C'est-à-dire, c'est une femme saine, on va dire, dans son comportement. Une femme qui ne fornique pas avec les hommes, etc. C'est une femme respectable, qui a une bonne réputation, on va dire. C'est ça. Et puis, elle est affiliée ou là, voilà, adepte de cette religion-là qu'on appelle la religion des gens du livre. Hein? Très bien. Les gens du livre, El Kitab, ce sont les chrétiens et les juifs.
Voilà. C'est clair, Dr. Djouhri. La question, Dr. Djouhri, Troul, nous sommes 5 filles, 3 garçons, plus ma mère. Quand mon père est décédé, il nous a laissé une maison familiale. Maintenant, ma mère a décidé de vendre, selon le papa. La maison familiale. Apparemment. Ouais. Le vendre, selon le partage dans le Coran, est-ce que les filles ont le même pourcentage que des garçons? J'ai quelque chose qui ne sont pas d'accord. Merci pour votre Vous réponse. Vous savez, il y a 2 cas là. Non, là, déjà. Normalement, vous allez faire la frida. Il y a votre mère qui a droit à 1/8, et puis le reste sera réparti entre vous, 2 parts pour chaque garçon et 1 part pour chaque fille. Vous allez faire le calcul. D'accord. Votre mère a décidé ainsi. Il faut qu'elle le fasse du moment qu'il y a litige entre les filles, les garçons. Lorsqu'il n'y a pas litige, on peut partager comme on veut. Hein. C'est-à-dire, واحد يسمح شوية في حقه, il donne la moitié de sa part à sa sœur, ou là, une sœur laisse sa part à son frère, etc. La charia n'a pas à s'en mêler de votre partage du moment qu'il y a un consentement, qu'il y a une fraternité entre tous les héritiers. Lorsqu'il y a litige, là, il faut se référer à la charia conformément à la farida. Bon, là, il y a 5 filles, 3 garçons, ça veut dire il y a 6 plus 11 fois 8, ça veut dire 88 parts. 88 parts, voilà, l'herbe avec l'homme. Un huitième. Non, il faut d'abord donner le 1/8. Là, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire. Puis le reste, il faut le diviser sur 11. On va simplifier, c'est ça. Pour simplifier. Donner le 1/8. Donner le 1/8 pour votre mère. Le reste. Et puis il y a 11 parts, ça sera. 11 parts, 2 parts pour chaque garçon et 1 part pour. 1 part pour chaque fille. Voilà. Du moment qu'il y a ce litige-là. Hein. Très bien. Voilà. Salam alaykoum, frère, ma question est, s'il vous plaît, j'avais un problème avec mon mari depuis janvier 2019, et depuis ce jour-là, il ne me parle pas, il dort seul, j'ai fait son ramadan seul, il sort tous les jours de bonne heure et il rentre tard, qu'il ne mange pas avec moi, et maintenant ça fait 7 mois, on vit comme ça. J'ai essayé de lui demander le pardon, mais il ne veut pas m'écouter. S'il vous plaît, je suis perdu dans mes décisions, je demande le divorce ou je ne le fais pas. Donnez-moi un conseil que je puisse faire. Répondez-moi, s'il vous plaît, si c'est possible. D'accord. Elle est un peu perturbée. Vous savez, dans les foyers, après 7 mois, il y a toujours, bien sûr, des problèmes qui peuvent, c'est-à-dire, nuire à la vie paisible. Parce que, normalement... Mais si ça perturbe, c'est... Voilà. C'est-à-dire, normalement, le mariage est fait pour nous apaiser. Voilà. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا pour vous, que vous reposiez auprès d'elle, on va dire. Bien sûr, vice-versa, hein, pour le bien-être. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. La charia aussi a donné en quelque sorte un certain droit, on va dire, à l'époux lorsqu'il s'agit peut-être d'une procédure par rapport au comportement inacceptable peut-être de la part de sa femme lorsqu'elle ne lui obéit pas. Et puis elle ne le considère pas aussi, elle ne lui donne pas de l'importance, etc. Là, il a en quelque sorte une certaine procédure à prendre pour lui transmettre en quelque sorte sa, on va dire, sa colère, sa mauvaise situation. Mais que ça ne dépasse pas une certaine période. Sinon, la vie ne sera pas vraiment une vie supportable, on va dire. Voilà. D'ailleurs, quelques érudits disent que la période ne doit jamais passer 4 mois. 4 mois. Voilà.
الذين يولون من نسائهم عليهم تربص 4 أشهر. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça dépasse les 4 mois. Il faut procéder d'une autre manière alors quand cette procédure-là ne donne pas de fruits. Là, ça a duré un peu plus. Et puis, il faut mettre terme à ça, soit par provoquer une certaine assemblée, on va dire, avec la famille. Là, il faut élargir ce problème-là. Si vous avez des oncles, des frères, des amis de la famille, etc. Et puis de la part aussi de ce mari-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا » C'est-à-dire prendre quelques nobles, quelques gens respectables de la famille de la femme et puis de la famille de l'époux aussi, et essayer de se réunir, une petite réunion comme ça pour s'expliquer et trouver peut-être des solutions. Et puis, s'il s'avère que ça n'a pas donné de fruits, bien sûr que vous avez le droit de mettre terme à cette situation-là qui est insupportable pour vous et de demander divorce pour ce tort-là porté par votre mari. Parce que là, il est dans le tort. Même qu'il en a droit peut-être pendant les 4 mois, les premiers 4 mois, on va dire, pour manifester en quelque sorte son mécontentement, etc. Mais il ne faut pas que ça dépasse les limite, ça devient un tort. Voilà. Très bien, c'est clair. Ma question, salam alaikum, je voudrais vous poser une question concernant ma relation avec mon conjoint. Nous sommes séparés depuis 16 mois, mais sous le même toit, cause de tromperie de ce dernier. Mais en même temps, cela fait des années qu'il dit il n'a aucun sentiment pour moi, déjà. Ouais. Mais il ne veut pas partir. Moi, personnellement, je me suis sacrifié pour mon fils qui est autiste. Allah. Mais je n'arrive plus à supporter cette situation. Quand j'essaie de parler avec lui, il fuit les réponses. Il change de conversation. Il me dit que lui, ça lui convient, cette situation. Et s'il est comme ça, c'est que Allah qui a décidé ainsi. S'il est comme ça, c'est Allah qui a décidé ainsi. C'est son choix. Hein? C'est je pas me de... sens perdu, Allah, et je sais plus. Allah Azza wa Jal nous a donné l'irada, la volonté d'agir. Ça ne veut pas dire qu'il accepte tout nos agissements, on va dire. Non, il a permis ça, il a donné permission, mais il faut Il ne nous oblige pas, le misérable. Voilà, non, c'est ça. Je me sens perdu et je ne sais plus qu'est-ce qui est juste et non. Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Barakallahu feikoum. Allahi barak fik. Bon, si vous sentez que vous êtes lésé dans vos droits conjugaux et vous en avez besoin par rapport à ces droits-là, bien sûr, il y a beaucoup de droits conjugaux, commençant par la nafaqa. Du moment qu'il vit avec vous sous le même toit, normalement, il doit vous prendre en charge du moment que vous êtes sa petite famille. C'est-à-dire la nafaqa est obligatoire pour le mari vis-à-vis de sa femme et le père vis-à-vis de ses enfants. D'abord, c'est ça le premier droit. Et puis, il y a des droits aussi très intimes, on va dire, entre les deux époux. Si vous vous sentez que vous êtes lésé dans ces droits-là, et lui, il manifeste jamais une envie de changement, de situation, bien sûr que vous avez tout le droit de demander le divorce et de vivre au moins tranquille, sans voir sa face, on va dire, et bien sûr, sans être gêné par sa présence aussi. Du moment qu'il n'est plus devenu mari, on va dire, par les obligations conjugales qu'il a négligées. Et il reste sur le même toit, en tout cas. Voilà. Mais il reste seulement en quelque sorte un mari de compagnie, on va dire, et puis un mari de la nafaqa. Peut-être que cette femme-là cherche beaucoup plus dans son émancipation de son foyer.
Et c'est de son droit, mais bien sûr. Elle a bien exprimé, elle ne supporte plus cette situation. Bien sûr. Alors, moi, je vous conseille, si vous avez une source financière fiable pour vous prendre en charge, bien sûr. Et votre fils aussi, malgré qu'il est normalement à la charge de son père. Même après le divorce. Même après le divorce, si vous vous sentez apte à prendre cette décision-là sans peut-être les répercussions que vous aurez après, Inch'Allah, ce divorce-là, foncez et divorcez-vous de cet homme-là. Très bien. Ouais. Salam alaikum. Pour quelqu'un qui a une paralysie d'une moitié de son corps et qui a assisté, comment peut-il faire ses ablutions? Bon, s'il peut faire ses ablutions en demandant aide à celui qui peut-être qu'il assiste, on va dire, dans sa maladie, il peut se céder par cette personne-là. C'est-à-dire, il peut lui faire les ablutions. C'est-à-dire le laver, lui faire comme on fait les ablutions aussi à quelqu'un de défunt. Vous savez assisté, que oui. le lavage du mort, on commence d'abord par l'ablution. Par l'ablution. On fait l'ablution à celui qui est mort. C'est de la même sorte aussi. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider ainsi, tant mieux. Sinon, vous allez faire les ablutions sèches, Inch'Allah. Et laissez à l'marid et haraj, parce que le marad aussi est l'une des conditions qui permettent l'ablution sèche. Merci, docteur, pour toutes vos réponses, votre éclairage. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc, on fait l'aïe de l'Allah et wa hifdeh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله.